Le roi et la bouffonne. C'est bon? Eh oh, tu arrêtes là. Et bonjour, c'est Bex, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de Tiki Summer, la série de l'été, avec M. Colo. Est-ce que t'as eu peur d'un moment de solitude? Non, après. Je suis mort. Ah non, ça va? L'enculé. Ça va? Mais on se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de Tiki Summer, la série de l'été en compagnie de M. Colo. Est-ce que tu vas bien? Ben, et toi, ça va? J'ai un peu peur du vide avec toi. Mais ouais, je suis désolé, hein. Bonjour, ça va? T'as le droit de me pousser si tu veux. Rigole, hein. Non, non. Ça se fait pas. Moi, je fais pas ce que je voudrais pas qu'on me fasse, même si on me le fait quand même. Hein. La tristesse de la victimisation. Au programme du coup de cet épisode ça va basé manquer. Sur la maturité d'ailleurs. Attends, on peut juste préciser que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné aussi, alors ça forcément. fait, ça doit faire bientôt 3 semaines, Oh, non, mais oui. qu'on n'a pas tourné. Oui. Ça va faire 3 semaines qu'on n'a pas tourné, du coup ça fait vraiment bizarre de retourner ici et tout. Et vous les abonnés, ça fait 2 jours. Ouais. J'espère qu'on vous a pas trop manqué. Ouais, si, je crois qu'ils en ont marre de nous en vrai. Hein. Du coup, au programme de cet épisode, c'est ce qu'on fait déjà depuis quelques épisodes, c'est chercher le journal de bord. Ouais, mais on va le mais trouver. On a demandé un petit indice à Firestorm, du coup. Oui. Celui qui a caché ce fameux journal de bord. Et donc, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Ah, parce qu'il fallait pas me poser la... Non, mais il a dit... Que c'était mais tu sais toi. Que c'était caché sur le flanc d'un volcan. Oui, ça on sait. Du coup, côté sud, voilà, ce qu'on sait déjà depuis un petit bout de temps. Ouais. Mais ah, il oui est caché dans une petite cavité de 2-3 blocs. Oh quoi? Ça va. Tu l'as trouvé? Non, je suis tombé. Ah. Désolé. Oui, donc c'est caché dans une cavité, voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Du coup, on va y aller peut-être. Ouais, bah let's go. Hein, let's oh, go attends, Louis. Je sais plus, je connais plus la map. Alors, ouais, je sais plus de quel côté il faut aller. Mais on doit avoir tellement l'air con. J'avoue. Les gens, ils comprendront pas pourquoi on a tout oublié, pourquoi on est bizarre, pourquoi. Oh punaise. Enfin, pourquoi je suis bizarre, moi d'ailleurs. Toi, t'es bizarre. Mais moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo en vrai. Hein. Toi, t'es naturellement bizarre. Ah, ok. Ça, c'est dit. Ça c'était gratuit. Bah voilà, c'est quoi? Casse-toi du mauvais côté, t'as raison. Ciao. Mais arrête. C'est où qu'il faut aller? S'il vous plaît, je suis perdu. Ne, ne, ah, mais t'es là. Vous avez vu? Hey, j'ai un petit bug. Coucou, on voit dans le vide. Ah voilà, tu vois du diamant ou pas? Non. T'as oublié de désinstaller l'extrait. Oh, il y a des chèvres. Ah, oh oui, et puis d'ailleurs, tes chèvres. T'avais pas dit qu'on pouvait les adopter? Oui, oh, on peut les adopter. Avec quoi? Avec n'importe quoi. Quoi? Oh oui! J'en ai une! Mais donne non. lui de la bouffe, donne lui de la bouille. En fait, tu donnes de la bouffe. C'est tout con. Choose your pet name! Comment je fais pour écrire? Je vais l'appeler. Oh attends, donne. Merde. En fait, t'as pas le choix de lui donner un nom. Attends, je veux une chèvre qui ressemble à mes chèvres. C'est trop genre, bien, la chèvres. Attends. Ouais. Je suis sûre qu'il y en a une qui va ressembler à Albert et Camembert. Oh, regarde, attends, il y a un ogre diamant. Alors lui, hop. Ah, ah mais bon. J'ai pas de flèche. On en a plus merde, rien à foutre, en fait. Hein. Eh, en fin de compte, on en a plus rien à foutre de ces trucs-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pour le kiff, allez. Hein. Mais ouais, mais moi, j'ai pas de flèche. Mais ouais, mais regarde, tu vas aller au contact. On casse tout, allez. Oh, j'aurais pas dû. Oh, j'assume oh, pas. J'assume pas ce que je viens de faire. Ah. T'as raison, t'as raison. Oh bien joué. Oh ouais. Réussi. J'ai réussi. Oh, attends, punaise. Du coup j'étais avec mes chèvres. Vraiment. Ouais. Mais d'ailleurs elle me suit pas la mienne. Ah trop nul. Putain, elle porte bien son nom. Bah déjà de toute façon les chèvres à la base tant que t'as pas de nourriture elles te suivent pas. Hein. Ah d'accord. Bon, alors, est-ce que je cherche le coffre ou Snowy? Oh coucou. En gros, ça veut dire que t'es... Hey, y en a une qui s'appelle Coucou. Vas-y. Hey, elle ressemble un peu à Camembert, non? Mais regarde. Attends, t'es sérieux? T'as pris... Ah ouais, t'as raison.
Attends, juste après une chef, tu l'as renommé Coucou. Parce que, ouais, camembert. Donne. Et ben voilà. Mais ben voilà, nickel, camembert. Tu veux pas la mettre en sécurité, là, genre, à quelque part, en attendant? Mais elle va pas mourir, hein. Et les chèvres, c'est des warriors. Mais après, on les retrouve plus. Yo. Bon, bah, tu pleureras pas, hein. Non. Non, de toute façon, voilà. Wow, du coup, on va peut-être chercher ce petit coffre. Attends, mais c'est un truc de ouf, ce qu'on aurait dû faire dans un dernier épisode, on l'a fait maintenant. Ouais. Bon, bah, y'a plus qu'à trouver le journal de bord. Ouais. Comment on fait pour les accoupler, les chèvres? Je sais pas si on peut les accoupler. Ah. Ils sont peut-être castrés. Oh. Mm. Donc là, en fait, on recherche donc une cavité sur le volcan, hein, du coup. Hein. Ouais, genre de... De trois blocs, comme ça. D'accord. De haut et de large. Donc t'es en train de me dire qu'en gros, depuis plusieurs épisodes, on passe devant une cavité qu'on n'a pas vue. Bah, apparemment, oui. Mais c'est impossible. Bah, c'est ce que je pensais aussi. Mais visiblement... Bah, c'est ce que je pense toujours. C'est bizarre, hein. Assez bizarre. Sauf qu'il y a des endroits où il y a des trous, vraiment, genre... Bah ouais, mais bon, on a tout vu, hein. On a tout je vu. Bah on trouvera bien. On va, eh oh, on, c'est qui on va partir. On va partir sur des allers-retours. Sur des Comment allers-retours. Bah sur des allers-retours genre de haut en bas. Hein. Ah. Mais je sais pas. En fait, genre si c'est genre censé être en fait, genre le haut du volcan. Je vais te dire un truc. J'ai cru voir un truc, mais j'ai peur que c'est mon imagination. Et en même temps, j'ai peur que c'était pas mon imagination et je vais me faire insulter si j'ai raté un truc. D'accord. En fait, j'ai cru voir un truc, mais je crois... Putain, c'était vers là. Et j'ai pas de pioche sur moi, c'est chiant. Ah, et moi j'ai pas de lit. Oh bah, c'est moi j'en ai un. Ah. Non, mais il y avait un truc, punaise. Viens vers chez moi, s'il te plaît, je te jure, il y a un truc. Je suis en haut de toi. Bah viens vers chez moi, ici il y a un truc. Je sais pas où, mais il y a un truc. Enfin... Comment ça, tu viens de passer et tu pensais avoir vu un truc, oui. Mais t'es pas sûr? Oui, je suis passé devant un truc et je te jure que je vais me faire insulter parce que j'ai pas réagi à temps. J'ai eu un flash seulement après. Et là, je me sens vraiment con, je vais perdre tous mes abonnés. Mais... Non, mais je te jure, il y a un truc. Là, mais voilà, il est là. Il est piégé. J'attends, il est piégé. Il est piégé. Et j'ai pas de pioche, hein. Ok, alors je... Donc, casse autour. Mais visiblement, il y a rien, c'est bon. On l'ouvre. Attends, casse un bloc en plus un peu partout. Ouais, non, c'est bon là. Regarde. Ok, on y va? Ok, j'ai vraiment peur. 3, 2, 1. Ah! Journal de bord. Ah. Nice. C'est bon, ça pète pas? Non, non. Ok. Attends. Alors, par contre, il fait nuit. On va rentrer. T'as pas de lit, hein? Non, on va rentrer. Ouais. Putain, on doit il rien voir. Il est terrible, hein. C'est tout le temps Mkolo qui a jamais son lit là. Mais ouais, mais c'est lourd hein. Tu es pénible. Mais c'est lourd. Ouais, toi aussi t'es lourd. Oh, j'ai la flemme de rajouter un truc au montage, mais c'était un peu méchant quand même. Putain, je vois rien moi. Mais non, c'est amicalement affectueux, vois-tu. C'est amicalement affectueux. Ouais. Ce sera tout aussi affectueux que ta chèvre, elle sera plus là. Hein. Mais arrête, c'est pas vrai. Ah, elle est là. Bah, il est là, camembert. Bah, ouais. Bon, on l'aura pas vu hein, sur YouTube, Je t'ai dit, camembert, c'est des warriors. Ah. C'est un warrior. C'est vrai que camembert, c'est un mec au pluriel. Hein. Bah, ouais. Bon, je suis désolé. Eh, toi, on voit quelque chose ou pas chez toi? Franchement, je sais pas. Moi, je vois quelque chose, mais encore parce que j'ai shader, donc voilà. Mais si j'enlève, ça prend 10 ans. Oui, non, oui. C'est sûr. Et puis, par contre, on te voit en train de te faire courser par une araignée. Et ça, c'est drôle. C'est drôle. Et ça, c'est drôle. Alors, du coup, ouais, on va dormir et on va lire ce qu'il y a écrit. Ouais, gardons un peu le suspense, déjà qu'on l'a trouvé. Mais attends, mais il y a un truc qui me rend fou. Ouais. Je comprends pas comment on est... Bon, déjà, je suis passé devant et je l'ai pas retrouvé. Enfin, la preuve. Ouais. Donc, franchement, je sais pas comment il l'a fait pour bien le cacher. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que plusieurs épisodes, apparemment, on est passé devant et on a rien vu. Hein. Ah bon? Ouais, attends, non, on s'est trompé, moi je vais là. Mais wesh. Merci. Oui, on est passé plusieurs fois devant. Hein. Bah ouais, moi je sais pas, ça me dit rien en vrai, genre ce trou. Ce trou? Bah du coup, y a quoi écrit dedans? Bah c'est toi qui l'as le livre, donc je te laisse le lire.
Bah non, c'est toi. Non, c'est toi. Mais non, c'est toi. C'est toi qui l'a récupéré. Elle a voulu me faire une blague et je t'avoue que j'ai eu un peu peur. Alors, descends journal cette table. De bord. Arrête. Journal de bord de l'équipage. Jour 1. On a quitté le port. On se dirige là où ce monstre a été trouvé. Jour 10. Le voyage commence à être long. Les hommes sont de plus en plus faibles. Faibles ? Oui. Ah. Il y a 5 pages. Hein. Oh, jour 36. Nos réserves sont bientôt vides. Nous sommes perdus dans l'immensité de l'océan. Jour 42. On a trouvé une île. Demain matin, nous y accosterons. Ah. Jour 44. Quand nous nous sommes approchés, un monstre nous a... attaqué. Nous a... moitié de nos hommes, je pense du coup attaquer... nous a enlevé la moitié de nos hommes. Ouais, la moitié de nos hommes se sont fait manger. Ah, la moitié. Ah. On a dû abandonner le navire avec tous nos trésors et armes. Ah. Jour 50, presque tout le monde est mort en tentant de récupérer ce qui reste du navire. Jour 71, je suis désormais seule. Non mais il y a un problème parce qu'il y a des... je te jure, il y a des mots qui manquent. Oui, bah, j'avais compris. Parce que du coup, il y a 7 et après il y a monstre, mais ce n'est rien comparé à ceux qui rôdent dans l'océan autour de l'île. Mais en même temps, c'est un journal de bord, alors les pages, elles ont dû un peu s'effriter. J'ai arrêté de compter les jours, je suis à bout de force. Oh. On dirait qu'il est mort. Triste histoire. D'accord, bah écoute, en tout cas, on a passé plusieurs épisodes à trouver un truc déprimant, ça me fait plaisir. Mais c'est génial, une petite histoire. Bonnes vacances. Eh bah oui, la série d'été, c'est bon ça, on espère que ça vous plaît là, tout ça, hein. Ah là là. Bon, du coup, on va voir nos chèvres. Ouais, bah on leur fait un enclos du coup. Ouais. Alors, allez. Ah bah il faut du bois. et on les fait où on les fait près de... Mais attends, mais comment elles vont nous suivre? Je sais pas. Avec de la chair putréfiée? Moi j'ai vu un truc sur la chair putréfiée. Hein. Voilà, je t'en prie. Ah ouais, bah vas-y. Comment on fait? Avec ça, ça, ah, c'est il bon. Il faut des slime balls. C'est bon, j'en ai, regarde. Regarde, je suis une machine. Oui, c'est vrai, il y en a partout sur l'île. Je suis une machine, hein, c'est pas comme ça qu'on fait, voilà. Attends, hein, je vais trouver. Ah oui, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Voilà. Le mec, il a l'air vraiment convaincu de ce qu'il fait. Si, tiens, regarde, une laisse chacune. Ah, cool. Impeccable. Ok. Attends. Je vais encore faire un petit portique. Ouais, ah bah moi j'en ai pas donc je te laisse gérer tout ça. Et on fait ça près de notre base là-bas sur la plage. Ouais. Comme ça c'est plutôt cool. Et comme ça on retourne aussi là-bas parce que bah ça me manque un peu. Ouais, moi aussi. Bon, et bah du coup les amis, on a accompli tous les objectifs. Hein. Ouais, enfin. Alors Ouais. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon. Très bien. En fait, il nous reste encore plus qu'à poser les totems, mais ça, on le fera dans le prochain épisode. Voilà, je pensais qu'elle allait terminer ma phrase. Mais... Ah, pardon. Bon, en fait, j'étais pas sûre, mais c'est vrai que comme on n'a plus rien d'autre à faire, bah oui, on va faire un épisode. Qu'est-ce qu'on se fait chier, bordel. Mais c'est du coup, bah, je suis avec toi. Ah, t'es derrière. Je suis derrière. Mais du coup, du coup, l'histoire de l'île, tu l'as comprise ou quoi? Ben, l'histoire de l'île. Du coup, c'est pas l'histoire de l'île, mais il y a un marin qui a accosté. Avec non, son même équipage. Enfin, même pas, du coup, ils ont même pas accosté, vraiment, parce qu'il y a un monstre qui arrêtait pas de les attaquer. Ah, mais toi, t'es déjà parti depuis longtemps, alors que moi, je t'attends. Mais attends, je t'ai dit que j'étais derrière toi, j'étais pile derrière toi, moi, dans l'escalier. Bah ouais. Bah oui, donc après je suis parti chez les chefs, du coup, une fois que j'étais en bas. Bah ouais. Je pensais que t'y allais aussi, parce que du coup, c'était ce qu'on faisait. Camembert. Elle est mignonne. Mais j'ai pas de chair pétrifiée. Mais attache avec de la laisse. Ah oui. F, viens. Camembert. Attends, mais j'ai perdu la mienne, c'est quoi ça? Eh, la chèvre, elle a mangé la laisse. Quoi? Je te jure. Bah, je sais que ça mange tout, mais quand même. Eh ouais. Mais toi aussi? Genre j'ai cliqué droit dessus camembert. Il l'a mangé ce con. Mais c'est pas possible. Mais ça se mange pas. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes vraiment des bites. Bon, on va faire plein de laisse. Hein. Bah je vais en rechercher. Hein.
Oh merde. Mais ça sert à rien s'il mange tout le temps la laisse. Mais il y a un moment donné, il va arrêter de la manger, non? Attends, j'essaye avec la concrete. Eh mais en fait, c'est des poubelles ambulantes. Ah ouais? Bah, je sais pas. Ah! Je pensais qu'il avait mangé la concrete. Est-ce que ça mange des fleurs? Bah non. Ça y est, t'as plus faim? Ah si, parce que la chair pétrifiée, il la mange. Ouais. Est-ce que ça tu mange n'importe quoi. Hein. Non. Alors, est-ce que ça mange des yeux de d'araignée? Bah oui. Mais alors, n'importe quoi, vous. Hein. C'est réaliste, hein? Ouais, j'avoue. Par contre, je vais pas pouvoir en faire des 100 et des 1000. Hein. Ah, attends, j'en ai 6, 8, 10. Voilà. J'en ai 10. Ah. Donc, ça fait 5 laisses encore à manger chacun. Non, mais c'est pas possible. Je suis sûr que moi, je les pousse d'arbres. Ah, ah même pas. Faut peut-être pas pousser lui. C'est pas réaliste, hein. Ah, ça. D'accord. Bah oui. Je savais pas. Ça mange tout. Je découvre l'univers des chèvres. Tu connais pas encore assez les miennes. Ah, je pensais que t'allais faire un autoclash. Ah, non. Je me suis dit, ouais. Facile. Alors, j'arrive, hein. Ça avec va, mon lasso. En fait, tu me traites de chèvre depuis avant. C'est ça. Oh, mais mince, j'ai oublié de prendre des flèches. Ah, merde. Tiens, j'ai 5 laisses. T'es où? Ah, cool. Ah, merde alors. Là, j'arrive. Bouge pas. Je bouge pas. Je t'entends, mais je te vois pas. Ah, si. Là. Ça y est. Coucou. Voilà. Ouais. Ah, il s'en fout, il veut pas en fait. Hein. Il la mange, hein. Ouais, je l'ai vu mâcher. Attends, c'est un truc de ouf. En fait, ça drop quand tu vas sur... Mais non, mais il l'a mangé. Ouais, soit il la mange, soit il la drop. Enfin, soit ça drop. En fait, il mais en veut pas. C'est abusé. Oh, oh, les chèvres, elles s'attaquent entre elles. Ah bah, ça, c'est réaliste. C'est trop stylé, ouais. Attends, est-ce que... Genre... Merde, j'arrive pas à venir. Ah, elles s'attaquent plus, là. Ah si. Mais énorme. C'est énorme. En plus, on entend le bruit des cornes contre les cornes. Ouais, j'ai entendu. Bon, on va faire comment? Bah, je sais pas. Tiens, un seau d'eau. Oh! Eh, t'as tapé? Eh, mais t'es mon pote! T'es au courant que t'es mon pote? Donne-lui de la nourriture. Oh! C'est lui. Mais... Oh, purée! Tiens! Eh, trop violent, mais... ouais! Mais je t'ai adopté, mais... Je t'ai adopté, d'accord? Tiens. Mais attends, ils sont vénères entre elles, là. Mais attends, ils sont pas bien. Je crois qu'on va pas pouvoir les emmener, hein. Vas-y, tout est mieux. Putain... Ah bah là, il m'en reste plus qu'une, sinon il les mange. Ah bah ça y est, il l'a mangé, voilà. J'en ai plus. Mais attends, il y a bien un moyen de... Bah en faisant... En les poussant. Oh mais non. Je suis bien d'accord. Genre, attends, comment ça s'appelle ça? Lead. Ouais. Ouais bah non, il n'y a pas d'autre truc quoi. Il n'y a pas de truc, un autre truc genre qui pourrait servir de laisse. Non. Clairement. Moi là, j'en vois pas. Enfin, en plus, regarde, juste pour le test, hein, j'essaye de pousser sur quelques mètres, mais il s'en fout, il fait demi-tour après. Mm. Oh là là, vas-y là, ça me rend chèvre. C'est excellent ça. Excellent ça. Bon, de toute façon, en vrai, moi ce que je te propose, c'est qu'on se quitte sur une note positive parce que ça fait 20 minutes. Ouais. Enfin, ça va faire 20 minutes, même pas. Ça et, va faire 20 minutes. Et voilà, et puis surtout on a trouvé le journal de bord, on a accompli tous les objectifs. Donc les amis, dans le prochain épisode, on pose les totems. Ouais. Et ce sera la fin de la série, on va voir un peu si on peut faire exactement des trucs YOLO. Ouais. Mais voilà. D'ailleurs les amis, attendez, alors juste on est en décalage, hein, donc entre temps ça se peut, on oui, en aura plein. Vrai. Mais sachez juste les amis que on reçoit vos montages, vos dessins et tout en rapport avec Tiki Summer. Donc les frérots, n'hésitez pas à en faire encore, à nous les envoyer. Et à la fin de la série... on fera un album photo et tout, on diffusera tout ça. Ouais. Comme ça, déjà pour ceux qui font des dessins, ça vous fera de la pub. Et en plus, bah, c'est grave joli ce que vous faites, c'est grave cool. Et, tu les mettras voilà. Sur ton site mcolo.fr. Ouais, pourquoi pas faire un album photo sur le site, carrément. Ouais. Merci pour cette belle promotion. N'hésitez pas à nous les envoyer sur le Discord mcolo officiel, il est dans la description. C'est ça les mecs. Hein. Allez-y en direct. Les deux, hein. T'as dit quoi? Bah il est dit dans la description chez tous les deux. Ah pardon, oui, d'accord. J'ai bugué. Le mec qui m'écoute, hein. Non, mais j'ai bugué. Non, oh. Que ça. Voilà.
On fait ça oh comme ça. Oh là 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 là, toi tu vas te calmer hein. Je suis pas une chèvre. Allez, c'est bref, on espère que cet épisode il vous aura plu. Comme d'hab, le pouce bleu, regardez les deux points de vue. Puis on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. Dernier, avant-dernier, voilà. Demain. Non, après non, demain. Demain. Calme-toi. Hein. Voilà. Désolée. Sur ce coucher de soleil en face de nous, magnifique. Wow, et ce lever de lune ici, bien évidemment, vous pouvez le voir. Toi, tu vas te calmer, par contre. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, bisous. Bisous. J'adore ton lever de lune.